Une surprise pour Petite Taupe. C'est le matin. La forêt s'éveille doucement sous le soleil du printemps, quand soudain... Qui frappe à la porte de Petite Taupe? Petite Taupe ouvre sa porte. Elle regarde à droite, elle regarde à gauche. Personne. C'est alors qu'elle entend... Petite Taupe sursaute. À ses pieds, il y a un drôle de paquet. Petite Taupe ramasse le paquet et va s'installer devant son poêle. Doucement, elle écarte le tissu et découvre un je ne sais pas quoi. Le bébé je ne sais pas quoi a très faim. Pauvre petit, dit Petite Taupe, c'est un biberon qu'il te faudrait. En deux temps trois mouvements, Petite Taupe bricole un biberon de lait. Niché contre Petite Taupe, le bébé boit goulûment. « Tu es vraiment craquant !» murmure Petite Taupe. « Mais maintenant, il faut retrouver ta maman !» Petite Taupe emmaillote bien chaudement le petit et sort dans la forêt. Elle frappe à la porte de la famille Lapin. Lucie Lapin ne sait pas à qui est ce bébé. « On dirait une sorte d'ours » dit-elle. « Allez donc voir la famille Ours, ils habitent à côté !» Petite Taupe frappe à la porte de la famille Ours. Robert Ours est encore plus étonné. « Quel drôle de bébé » s'exclame-t-il. « Avec son pelage noir et blanc, c'est sûrement un petit blaireau !» Petite Taupe frappe à la porte de la famille Blaireau. « Ah non, celui-là n'est pas à moi !» dit Babette Blaireau. « Demandez au hibou, il sait toujours tout sur tout !» Petite Taupe continue son chemin et voilà que le bébé se remet à pleurer. Occupée à le bercer, Petite Taupe ne voit pas que quelqu'un se glisse derrière elle à pas de loup. « Bonjour, cher ami !» dit le loup. « Vous êtes bien embarrassé avec ce paquet, donnez-le-moi, je saurai m'en occuper. » « Certainement pas !» gronde Petite Taupe. Heureusement, Monsieur Hibou a tout vu. « Oh, loup ! Ouh, ouh, ouh ! Oh, loup ! » Il alerte toute la forêt et le vilain n'a plus qu'à décamper. Toute secouée, Petite Taupe raconte aux animaux comment le paquet est arrivé chez elle. « Hum, réfléchit le hibou, « des animaux comme ceux-là, il y en a aux zoo, de l'autre côté de la forêt. » Au zoo, Petite Taupe se glisse sans bruit entre les enclos. Brusquement, elle s'arrête devant un panneau. « C'est lui! C'est le petit! Y a quelqu'un ?» demande-t-elle doucement. Un énorme panda s'approche à pas pesants. « Mon bébé est arrivé !» se réjouit Madame Panda, toute excitée. « Merci, Madame Cigogne !»« De rien !» fait Petite Taupe. Et elle file très vite. De retour chez elle, Petite Taupe se sent triste, comme tout est vide sans le petit paquet. Mais soudain, qui frappe à la porte de la Petite Taupe? Surprise! C'est l'anniversaire de Petite Taupe aujourd'hui. Elle l'avait oublié, mais pas ses amis.